sommes à San Francisco. Et San Francisco, c'est pâle que la mer. Et c'est aussi la grande forêt tropicale. Et justement, le chemin pour aller à la plage passe par la forêt tropicale. D'abord, il faut dire que notre maison n'est pas comme les maisons qui sont en France. Elle est toute en bois avec un toit en tôle. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de mur. D'abord, on descend le long du jardin de Sylvia, avec notamment des bananiers et des matas des platanos. On doit longer le ruisseau, marcher dedans, ouvrir et fermer la porte pour les vaches, monter une petite bosse et descendre en gigotis, et après la cascade. Et après, il y a deux montagnes, c'est la pâture des vaches. Entre les deux montagnes, encore le ruisseau et on doit encore le traverser. Bon, je ne vais pas décrire tout le chemin, mais il y a encore la forêt, la rivière, la forêt. Puis on arrive à la porte Gadou. C'est tout boueux à cause de la pluie et du bétail. Après, c'est chez Sobeida et toute sa grande famille. Et nous, on l'appelle Sobe. Un tout petit peu plus loin, c'est le passage des animaux. On y voit très souvent des singes, des oiseaux, des crabes, des grenouilles. Et papa, il a même vu un caïman dans la boue du chemin. Et après, c'est la route des motos jusqu'à la plage. Et tout le long du chemin, on croise la route des fourmis. Maintenant, je vais vous parler des singes. On en voit souvent trois espèces. On va commencer par le moins connu, le tamarin. Ici, on l'appelle le titi. On les voit en groupe de 5-6, des fois avec les petits. C'est le plus petit singe des trois espèces qu'on voit. Ils peuvent s'approcher de la maison, mais c'est surtout pour nous chipper des platanos. Dès qu'ils sont mûrs, ils rappliquent. Maintenant, je vais vous parler du capucin. Ici, on dit cari blanco ou cappuccino. Ils sont super intelligents, il paraît. On les voit en groupe, mais moins col-col que les titis. Ils mangent les fruits des arbres et ils ont l'air de se méfier un peu de nous. En gros, ils attendent qu'on ne soit pas là pour nous chipper des bananes. Et enfin, le plus connu, les singes hurleurs, les aulladores. On les voit souvent au passage des animaux. Mais surtout, on les entend tous les matins et même le soir. Ils vivent en groupe encore plus grand. Et nous, on les voit surtout manger des feuilles. Apparemment, ils crient pour délimiter leur territoire face aux autres groupes. Et puis, dans la forêt, il y a les oiseaux. On ne sait pas grand-chose sur eux, mais on va apprendre. En attendant, voilà ceux qu'on a filmés.
voilà, maintenant vous connaissez une petite partie de la forêt.